Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce dimanche. Quatrième mort par noyade en ce début d'année, le corps de Joseph Denis Rambert, âgé de 40 ans, a été repêché aux alentours du Souffleur dans le sud ce matin. Le quadragénaire se serait rendu seul au pont naturel avec ses 8 chiens et c'est en voulant aider deux d'entre eux qui se sont trouvés en difficulté qu'il serait tombé à l'eau. La situation de l'eau dans le pays ne semble guère s'améliorer. En effet, le taux de remplissage des réservoirs est inférieur à ce qu'il devrait afficher en cette période. Les coupures d'eau dans plusieurs régions de l'île continuent et sont inévitables selon la CWA. Ambiance électorale à Rodrigues ce dimanche. L'OPR, le MR et le FPR ont fait leur grand meeting aujourd'hui. Le leader du FPR, Johnson Rousty, a tiré à boulet rouge sur le chef commissaire Serge Clair, idem pour le président du MR, Nicolas Vonmali, qui a tenu à dénoncer ce qui serait selon lui des abus de l'OPR. Serge Clair a de son côté déclaré que l'OPR a tenu ses promesses. Merci d'avoir été des nôtres, bonne soirée et bonne semaine à tous.